L'enregistrement a démarré. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié à la rédaction des demandes Prado dans Via Trajectoire. On va être deux personnes pour animer ce webinaire rapide de 30 minutes. Moi, je suis Chloé Mazins de l'équipe orientation du Grade et Santé Occitanie. Et bonjour, et moi je suis Anne Chalier, chargée de mission déploiement de Via Trajectoire sur les départements de l'Occitanie du Sud. Ravie de vous avoir aujourd'hui sur ce webinaire. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est très rapidement, en 30 minutes, de vous présenter ce que c'est que la rédaction des demandes de Via Trajectoire, des demandes Prado dans Via Trajectoire. On va vous rappeler un bref contexte, faire un zoom sur un prérequis indispensable, à savoir les comptes et habilitations pour pouvoir rédiger ce type de demande. On va vous rappeler ce que c'est que le circuit d'une demande Prado dans Via Trajectoire. On ira directement sur la base de formation pour vous montrer en live le temps que prend la rédaction d'une demande et comment je gère mon tableau de bord et le suivi des demandes avec la CPM. Et quelques astuces et bonnes pratiques. Tout au long de la présentation, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le petit onglet Questions en bas à droite. Il y a un onglet chat sur lequel on s'est tous salués. Et il y a un petit onglet Questions. Dès que vous avez une question, quelle qu'elle soit, vous nous la posez ici et soit on y répond pendant la présentation, soit à l'issue de notre webinaire, on va pouvoir vous envoyer une foire aux questions, c'est-à-dire les questions qui ont été posées pendant le webinaire. On apporte une réponse et on vous l'envoie en plus du support d'aujourd'hui. Donc pour démarrer, on veut vous rappeler le contexte de Via Trajectoire et Prado. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous connaissez déjà le dispositif Prado, qui est un dispositif mis en place par l'assurance maladie. Et depuis 2018, il y a une expérimentation qui est menée par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour dématérialiser les demandes qu'on connaît actuellement sur papier, les dématérialiser dans un outil plus que utilisé au niveau national, Via Trajectoire. Il y a eu deux régions pilotes, la Normandie et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et depuis 2021, c'est déployé à l'ensemble du territoire, dont la région Occitanie. Donc, c'est en partenariat avec l'ensemble des CPAM du territoire, les 13 départements et la Caisse nationale de l'assurance maladie. On a commencé le déploiement avec quelques départements pilotes. Aujourd'hui, l'ensemble des CPAM de la région Occitanie sont utilisatrices de Via Trajectoire. Donc, quelle que soit la CPAM, elle est en mesure de recevoir des demandes sur Via Trajectoire, des demandes de Prado. Ça a bien fonctionné et on vous a fait un petit rappel. Une petite présentation des chiffres pour l'année 2022. On a plus de 2600 dossiers qui ont été créés sur le volet chirurgie, 176 dossiers sur le volet personnes âgées, d'autres dossiers sur l'insuffisance cardiaque, BPCO et AVC. Ce sont les cinq volets Prado qui sont disponibles aujourd'hui dans Via Trajectoire. On a invité l'ensemble des prescripteurs d'Occitanie. Donc, l'invitation au webinaire d'aujourd'hui, on l'a transmise à tous les établissements qui, aujourd'hui, font des rédactions de demandes, que ce soit vers le SSR, l'HAD ou le Grand Âge. On les a invités. Sachez néanmoins que pour bénéficier de l'orientation Via Prado, il y a quelques petits éléments à connaître que vous connaissez sans doute, mais la première chose, c'est d'être conventionné. Donc, si vous êtes présent aujourd'hui, mais que vous n'avez pas de partenariat actuellement avec les CPM, à l'issue du webinaire, il faudra contacter votre CPM de référence. Et si vous avez un souci pour identifier une personne, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, il s'agit d'être conventionné Prado. Pour orienter un patient vers ce dispositif, il faut certains critères pour que le patient soit éligible, des critères médicaux, des critères d'autonomie, des critères environnementaux aussi, parce que l'objectif derrière Prado, c'est programme anticipé de retour à domicile. Donc, c'est pour savoir si le patient peut faire sa convalescence à domicile. C'est un très bref rappel du contexte. Si vous avez des questions déjà à ce niveau-là, on peut essayer d'y répondre. Sinon, on va tout de suite dans le vif du sujet. Mais écoute, tu étais parfaitement claire, Chloé. Comme Chloé vous disait en introduction, pour pouvoir avoir accès, bien sûr, à Via Trajectoire et Prado, hein, mais c'est directement dans vos habilitations Via Trajectoire, il est important d'avoir un compte Via Trajectoire. Donc, un petit rappel sur les comptes Via Trajectoire. Un compte Via Trajectoire, c'est un compte qui est unique, qui est personnel et qui en fait va être identifiable et modulable au regard de votre poste occupé, des différents établissements où vous travaillez. Je rappelle vraiment que ce poste, ce compte, il est vraiment personnel, c'est-à-dire qu'il vous suit tout le long de votre carrière professionnelle. Vous ne devez pas confier vos identifiants à une autre personne. Je rappelle que votre responsabilité est engagée lors d'une rédaction d'une demande via trajectoire. Je rappelle également que lorsque vous connectez à Via Trajectoire, vous avez un mot de passe. Sachez que si au bout de 5 tentatives, vous n'arrivez pas à vous connecter, vous venez de bloquer votre mot de passe. Pour le débloquer ou éventuellement pour
améliorer, modifier vos accès, vous donner de nouveaux accès, vous vous rapprochez du référent structure. Lors de la démonstration, éventuellement, on fera un petit focus pour vous montrer. Dans l'onglet administration, il y a une nouvelle petite ligne qui s'appelle référent structure. Et en cliquant sur cette ligne, vous aurez la liste des référents structures dans l'établissement dans lequel vous travaillez. Donc ça, c'est ce qui est essentiel, c'est d'avoir un compte via trajectoire avec les habilitations idéales. On va faire un petit point avant la démonstration, c'est-à-dire comment se passe une dématérialisation d'une demande PRADO. Donc, vous êtes établissement prescripteur, donc vous allez rédiger grâce à l'onglet sanitaire de via trajectoire une demande d'orientation. Et à un moment, donc, au regard des critères d'éligibilité que Chloé vous a parlé tout à l'heure, il va y avoir une proposition d'orientation qui s'appelle lieu de vie et qui va être domicile coordination soins primaires PRADO. Je l'ai écrit sur cette diapositive. Et à ce moment-là, donc, via trajectoire, va vous orienter directement vers la CPM avec laquelle vous êtes orienté. Par exemple, le 1CH dans le 34 va être directement en lien avec la CPM du 34. À ce moment-là, la CPM va étudier le dossier et il va d'abord commencer à voir si le patient est éligible administrativement. Petite information, si vous n'avez pas l'information, si par exemple la personne a une AME ou pas, vous inquiétez pas, la CPM a cette information, mais c'est bloquant pour pouvoir poursuivre une prise en charge PRADO. À ce moment-là, vous avez la main pour modifier votre demande et la transformer en SSR ou annuler la demande ou modifier l'orientation de cette personne. Si le patient est éligible administrativement, à ce moment-là, les conseillers de la Caisse primaire d'assurance maladie vont vous manifester en vous disant que le patient est éligible et vont rencontrer le patient, lui faire la présentation de l'offre. À ce moment-là, le patient, mais également la Caisse primaire d'assurance maladie, peuvent encore effectuer un refus. Alors, par exemple, c'est un refus de la part du patient de ne pas vouloir être pris en charge par PRADO, mais également, ça peut être un refus de la CPAM parce que, dans le temps qui lui a été imparti, il n'a pas pu réussir à mobiliser tous les professionnels de santé qui étaient demandés. Donc, sachez que lorsque vous avez un refus, quel qu'il soit, vous avez une information qui va vous dire pourquoi la Caisse primaire ne peut pas prendre en charge le patient. Et là, vous avez à nouveau la main pour modifier la demande, réorienter vers un CSR ou bien annuler la demande. Dans le meilleur des cas, l'accord du patient, il y a une adhésion finale au service PRADO avec la petite coche verte. Et là, vous, en tant qu'établissement prescripteur, vous devez absolument valider la sortie du patient, c'est-à-dire confirmer son retour à domicile. Ainsi, le dossier est finalisé et vous pouvez donc, grâce à cela, alimenter vos statistiques et surtout également la CPAM, ça va lui permettre de savoir combien de demandes PRADO il a et sur quel volet. Alors là, vous dites qu'il y a beaucoup de temps à remplir des dossiers, des demandes via trajectoire. Sachez que pour faciliter la rédaction d'une demande via trajectoire, on a ce qui appelle, et vous en avez certainement entendu parler déjà, le transfert de contexte. Le transfert de contexte, c'est tout simple. Vous avez tous des dossiers patients informatisés au sein de vos établissements. Le dossier patient informatisé étant connecté à via trajectoire, en fonction de sa version, va venir importer de manière automatique les données administratives et ou les données médicales, comme je vous ai dit, en fonction de la version de votre DPI, de votre dossier patient informatisé. On vous invite vraiment à solliciter votre service informatique. C'est très rapide à mettre en place et vraiment, c'est un gain de temps et surtout des données qui sont sécurisées. Voilà, donc ça, c'est extrêmement important. Donc, je vois qu'il y a quelques petites questions. J'espère que dans le chat, je regarde si c'est juste des petits coucou. Vous pouvez vous mettre en plein écran. Nous sommes en plein écran, ouais. Madame. Par contre, vous pouvez cliquer sur affichage en bas pour changer votre affichage, vous, à votre niveau et le mettre en plein écran. Donc là, on va passer directement à la démonstration. Donc, Chloé, je te repasse la main. Et je prends la main, du coup, directement sur la base de formation via trajectoire. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est vraiment des cas de test, hein, ce n'est pas des vrais dossiers. Et ça vous permet juste de voir comment on rédige une demande PRADO et quelles sont les différentes réponses qui peuvent être apportées par les CPM. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait de mon côté. Je pense que c'est pareil. Du coup, pour rédiger une demande PRADO, c'est le même fonctionnement que la rédaction d'une demande sanitaire, quelle qu'elle soit, que ce soit SSR ou HLE. Donc, dans votre onglet sanitaire, si vous disposez des bonnes habilitations, vous allez cliquer sur « Créer un dossier ». Pardon, on a perdu. Hop, je reviens. Voilà.
J'ai cliqué sur sanitaire, créer un dossier. Je choisis l'établissement dans lequel je travaille. Donc, on va prendre l'exemple de la clinique du millénaire à Montpellier. Vous choisissez l'unité dans laquelle est le patient aujourd'hui ou sera demain hospitalisé pour initier votre demande. On va prendre l'exemple des urgences. Et là, vous allez pouvoir renseigner les éléments administratifs. Je rebondis sur ce que disait Anne tout à l'heure. Si votre établissement a mis en place le transfert de contexte, c'est-à-dire la récupération d'une partie des informations de votre DPI, ces éléments-là seront déjà renseignés. C'est un gain de temps énorme. Et on l'a vu en déployant Prado, il y a pas mal d'établissements qui ont mis en œuvre ce transfert de contexte parce que par méconnaissance, il n'était pas mis dans les établissements. Et c'est dommage parce que c'est un gain de temps et une sécurisation des données parce qu'on ne ressaisit pas de la donnée déjà présente dans le DPI. Donc, prenons l'exemple d'une personne. Donc, je rentre son nom de naissance, son prénom, sa date de naissance en rouge, comme d'habitude, les éléments qui sont obligatoires. Je clique sur « Créer le dossier ». Via Trajectoire, c'est bien un outil d'orientation donc, qui part d'une pathologie, d'un besoin de prise en charge. Donc, je décris la pathologie principale. Je vais prendre le cas d'un patient qui est un adulte qui est rentré dans mon établissement dans le cadre d'une prise en charge orthopédique pour une chirurgie du genou. Une ligamentoplastie. Donc là, j'ai fait l'orientation de base. Et là, je vais devoir choisir où est-ce que je souhaite orienter mon patient. Soit je n'ai pas d'idée et je coche les objectifs de prise en charge, les conditions liées au patient, l'environnement du patient. Et via trajectoire, en fonction de ce que j'ai saisi, il va me faire des propositions. Soit dans le cas qu'on présente aujourd'hui, je sais que je vais envoyer vers du Prado. Je clique directement sur lieu de vie, domicile, coordination, soit primaire, Prado. Et là, apparaissent en jaune, en surligné, ce que je dois cocher pour que le patient soit éligible à ce dispositif. Une prise en charge médicale simple, des soins simples et une possibilité de prise en charge à domicile. Je clique sur « Valider » et là, il y a une pop-up qui s'affiche qui me demande si je suis bien en passage en orientation Prado. Pour rebondir sur ce que vous a dit Anne tout à l'heure, si le patient est bénéficiaire d'une AME, il n'est pas éligible. Donc, il est essentiel de pouvoir cocher ici « Non ». Il y a toute une liste d'informations qui vous précise quel doit être l'état médical, les critères d'autonomie. Si tout est OK, que le patient est informé et consent à cette demande, vous pouvez cliquer sur « Rédiger une demande de pradochirurgie ». Et là, vous allez voir, contrairement à ce que vous connaissez sur d'autres types d'orientation, le contenu dossier est vraiment réduit. On n'a que 3 volets. Le volet orientation, qu'on a d'ores et déjà rempli, un volet prado, donc ça reprend les éléments que vous connaissez sur papier qui sont totalement dématérialisés dans Via Trajectoire, et ensuite le service demandeur. Le statut infectieux et vaccinal, il persiste. Il est encore dans Via Trajectoire. Il a été mis en place en 2020 dans le cadre de la crise Covid et il est encore présent. Donc, il est nécessaire de le renseigner. Est-ce que le patient a été testé, oui ou non? Si vous cochez non, on ne vous demande pas davantage. Et là, vous allez pouvoir renseigner les différents champs. Toujours la même chose. Les champs rouges sont obligatoires. Les autres sont optionnels. Mais on vous invite à préciser un maximum d'informations pour que la CPM, comme receveuse, soit en mesure de se prononcer sur une éligibilité ou non. Donc, le lieu de naissance, la ville de naissance, ça, vous voyez, c'est des champs qui ne sont pas obligatoires, mais vraiment, on insiste pour que le receveur, quel qu'il soit, puisse se prononcer sur une admission. Plus la demande est complète, plus c'est facile pour lui. La date d'hospitalisation, on fera un petit zoom tout à l'heure, mais beaucoup de demandes Prado, notamment dans le cadre de la chirurgie, sont faites en anticipé. Donc, vous voyez, ça peut être une date d'hospitalisation ultérieure. On en reparlera tout à l'heure. On va mettre une date d'hospitalisation au 10 mars. Date de sortie prévue le 13 mars. Vous sélectionnez le médecin traitant, très important dans le cadre de la prise en charge Prado. Si vous ne l'avez pas, vous ne cochez pas de médecin traitant. Sinon, vous cliquez sur « Sélectionner ». Et là, ça va interroger directement le fichier national des médecins. Donc, je tape le nom du médecin de ma patiente. Je vais le rechercher dans la base. Et donc, je sélectionne le docteur Christine Leclerc. Êtes-vous certain de vouloir sélectionner ce médecin? OK, le médecin est renseigné. Il y a des nouveaux éléments sur l'INS que vous allez voir apparaître. C'est l'identifiant national de santé. On va renseigner toute la partie acte chirurgical. Donc là, on était sur de la chirurgie du genou. Chirurgie orthopédique. Type d'acte chirurgie du genou. La date de réalisation de l'acte. Le nom du chirurgien, si vous l'avez, vous pouvez le renseigner. Ensuite, on vous demande de renseigner le programme RAC, si c'est le cas ou pas.
Si intervention orthopédique, fracture par fragilité osseuse, pareil, vous renseignez oui ou non. Et ensuite, des champs qui sont indispensables pour les besoins du patient une fois qu'il sera retourné au domicile. Donc là, pareil, vous les sélectionnez s'il y a besoin d'aide à la vie, de soins d'infirmier ou de soins de kinésithérapie. Vous cliquez sur « Valider ». S'il y a des champs qui sont manquants, via trajectoire vous l'indique. Sinon, il ne vous reste plus qu'à renseigner les éléments du service demandeur. Si vous cliquez sur cette petite icône, souvent les utilisateurs ne la connaissent pas. Il n'est pas nécessaire de retaper. Une fois que vous l'avez fait une fois, vous cliquez sur la petite icône qui présente une équipe soignante et vous choisissez le médecin du service, la cadre du service et vous pouvez valider. Une pop-up s'affiche pour vous demander d'être sûr que c'est bien à la CPM que vous souhaitez envoyer la demande. Vous cliquez sur « Envoyer la demande » et directement, tout de suite, la CPM de l'Euro reçoit sur son tableau de bord, receveur, la demande que vous avez réalisée pour Madame Tavuller. Donc, c'est beaucoup plus rapide que par papier. Là, on attend du coup la réponse de la CPM, qui a trois niveaux de réponse, comme vous l'a indiqué Anne. Accepté, accord de principe ou refus. Je me remets sur le tableau de bord du prescripteur. Je suis en attente, là c'est mon tableau de bord de prescripteur. Je suis en attente d'une réponse pour Madame Tavuller Edith. Vous voyez que sur le tableau de bord, on voit tout de suite lorsqu'il s'agit d'une demande Prado, c'est très lisible parce qu'il y a l'icône Prado qui s'affiche dans Unité contactée. D'accord ? Là, on va prendre le cas, donc j'ai plusieurs demandes qui sont en cours. Je vais prendre le cas ici de Madame Brel Francisca, où la CPM m'a indiqué un accord de principe. La CPM peut indiquer un accord de principe si elle a besoin d'éléments supplémentaires. Et là, vous le voyez, au bout de la ligne de ce dossier, j'ai une petite enveloppe rouge, c'est-à-dire que la CPM m'a demandé des précisions et je peux y accéder directement en cliquant ici. La CPM m'a demandé, dans le cadre d'une prise en charge d'un Prado insuffisance cardiaque, de préciser la fraction d'éjection. C'est un exemple. Vous pouvez lui répondre directement en cliquant sur « Écrire » et la CPM, sur son tableau de bord, aura, tout comme vous, une enveloppe rouge qui s'affiche sur son tableau de bord. Sachez qu'elle est également informée par mail si elle a choisi la réception des alertes mail sur son compte. Je reviens sur mon tableau de bord et on va prendre le cas d'un autre patient. J'ai eu un refus pour mon patient qui s'appelle Tom Sawyer. J'ai eu un refus de la CPM. Comme vous le disiez, Anne, à chaque fois que la CPM fait un refus, il est nécessaire de le motiver. Donc, il y a une raison à ce refus. Et dans ce cas-là, vous pouvez revenir sur une orientation plus classique. Donc, vous cliquez juste ici, revenir à une demande d'admission dans d'autres types de structures. Et là, ça va vous demander d'annuler l'orientation Prado ou non. Si vous l'annulez, il va être nécessaire de refaire le dossier du patient Tom Sawyer parce que certains volets ont été dévalidés suite à l'annulation de l'orientation initiale. Et là, on revient sur une demande de SSR ou d'HAD classique avec, vous voyez, tous les volets. Donc, beaucoup plus complète qu'une demande Prado qui est simplifiée pour être rapide et efficace. Je reviens sur mon tableau de bord et on va prendre le cas là de Madame Bicast, Monsieur Bicast. J'ai reçu un accord de la CPM. L'hospitalisation de ce monsieur a eu lieu le 7 mars. Son admission dans le cadre de Prado, donc sa sortie, est aujourd'hui le 10 mars. Et c'est à vous, en tant qu'établissement prescripteur, c'est à vous de valider, de finaliser la demande. Donc là, je vais confirmer le retour à domicile. Date réelle du retour à domicile, aujourd'hui, l'accord du patient a été recueilli et je confirme le retour à domicile. Et là, la CPM a eu l'information, le dossier est correctement finalisé et la prise en charge à domicile peut être assurée par la CPM. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là déjà ? Alors, il y a juste une question dans le chat qui, à laquelle je viens de redemander une précision. J'ai une personne qui souhaiterait savoir comment on peut changer de CPAM. Donc, j'aurais voulu avoir la réponse de savoir pourquoi ce changement de CPAM. Sachez que les CPAM ont, si vous voulez, un réseau entre elles. Si vous êtes limitrophe entre, par exemple, deux départements, sachez qu'elles peuvent se transférer entre elles les demandes. Mais vous, en tant qu'établissement, vous êtes conventionné avec la CPAM.
IAM de votre département, mais sachez qu'entre elles, elles travaillent. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de la CPAM qui vous accompagne, mais sachez voilà, qu'ils ont entre eux, ouais. Ils se transfèrent les informations. Et je permets de répondre en une autre question dans l'onglet questions, c'est dans quel délai une caisse primaire d'assurance maladie vous répond ? Eh bien, justement, grâce à Via Trajectoire et à la demande de Prado, ils ont une information sur leur adresse mail qui est liée à la caisse primaire d'assurance maladie. Mais sachez qu'à partir du moment où la CPAM est conventionnée avec un établissement, les tableaux de bord sont, enfin, Via Trajectoire est régulièrement ouvert et il y a une réponse rapide. C'est pareil, n'hésitez pas à discuter avec votre CPAM si vous rencontrez des difficultés, à échanger avec elle. Via Trajectoire, on revient là-dessus, ça accompagne l'orientation, mais ça n'empêche pas, bien au contraire, de poursuivre les relations que vous avez avec vos partenaires. Je vous propose de repasser du coup sur le support. Je vais montrer quand même la précision dont vous parlez, Anne, tout à l'heure, sur vos comptes utilisateurs. Vous avez un onglet ici qui s'appelle « Administration ». Et pour savoir qui est le référent, qui peut vous donner des habilitations dans votre structure, c'est ici, dans « Administration, mes référents ». Et je vais repartir sur notre support, s'il n'y a pas de questions sur l'utilisation de Via Trajectoire. Mais vraiment, ce qu'on voulait vous montrer là, c'est que c'est simple, rapide et surtout, c'est une transmission automatique à la CPAM des informations sur la demande de Prado. Il n'y a pas de questions, Chloé. Très bien. On a répondu en direct. Petit zoom sur les demandes anticipées. Elles sont énormément utilisées, comme je vous le disais, dans le cadre de la chirurgie orthopédique. Quand vous rédigez la demande, voyez, on vous demande de cocher s'il s'agit d'une demande anticipée, oui ou non. Donc, cochez-le bien. Et on voulait vous mettre une petite alerte. C'est qu'effectivement, on ne peut pas renseigner une demande anticipée qui va au-delà de 3 mois. Exemple, aujourd'hui, je suis le 10 mars. Je ne peux pas créer une demande pour un patient qui viendra chez moi le 1er septembre. Je peux faire des demandes pour les patients qui arrivent jusqu'au 10 juin dans ma structure. Donc là, on vous interroge aussi un petit peu, savoir si dans vos pratiques, ça peut vous arriver de faire des demandes anticipées qui vont au-delà de 3 mois. Si c'est le cas, c'est des évolutions qu'on peut demander à notre éditeur, parce que Anne et moi, on s'est interrogés effectivement par savoir si certains établissements faisaient des demandes anticipées qui allaient au-delà des 3 mois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire remonter, on pourra faire évoluer l'outil. Donc, je vois qu'il y a une réponse. Merci beaucoup, Madame Prudent. Oui, je vois qu'elle a marqué. On dépasse largement ce délai. Voilà, c'est super. Merci beaucoup pour votre tour. Dites-nous éventuellement si c'est un délai de 6 mois, éventuellement, ou un peu plus, qu'on fasse remonter aussi à notre éditeur cette demande d'évolution de la part du terrain. Donc, comme tout à l'heure, on l'a évoqué, bien sûr, vous avez compris, donc la démonstration que Chloé a fait, vous la retrouverez en l'annexe du PowerPoint qu'on va vous adresser avec notre petit mail qu'on va vous adresser. Juste un petit focus sur les bonnes pratiques et les astuces. Donc, Via Trajectoire, vous savez, un dossier complet, c'est vraiment une admission qui est favorisée. On a beaucoup de retours de la part des receveurs, comme quoi des fois, il manque des informations. Donc, comme vous le disiez, Chloé, c'est pas parce qu'on a dématérialisé Prado qu'il faut voilà continuer bien à remplir le plus possible le dossier, comme vous le faisiez quand c'était la demande papier. Et pour vous, en tant qu'établissement prescripteur, de bien finaliser le dossier pour que ce soit pris en compte, que le circuit soit fermé, que ce soit pris en compte après pour vos statistiques, si vous souhaitez demain voir la charge en soins que vous demande le Prado et tout ça. Surtout, n'hésitez pas. Et je rappelle, quand vous modifiez une demande Prado, une demande via trajectoire, Prado entre autres, de bien penser à valider toutes les modifications que vous avez débutées. Sachez que si vous ne validez pas une modification, le receveur ne pourra jamais vous apporter une réponse. Donc, c'est vraiment important. Vous avez tout loisir. La dernière diapositive, c'est juste voilà, pour vous dire que là, on arrive à la fin de notre présentation. Je vais vous mettre dans la conversation notre lien vers notre espace utilisateur. Donc, dans cet espace utilisateur, vous retrouverez des fiches pratiques, vous retrouverez nos liens vers nos prochains webinaires, sachant qu'on a planifié pour l'année 2023 toute l'offre de webinaires. Donc, vous avez les liens. Tout ce qui va être les foires aux questions. Et nous avons deux adresses mail. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à passer par Via Trajectoire, l'adresse mail est marquée. Mais également, on a une assistance. Si vous avez des problèmes techniques, des problèmes de compte, d'habilitation, n'hésitez pas à contacter l'assistance de e-Santé Occitanie qui sera là également pour vous accueillir.
Ah ben voilà, tu as été plus rapide que moi. écoutez, voilà, si je regarde s'il y a d'autres questions. Voilà, mais écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Sachez que n'hésitez pas, si d'autres questions vous viennent, dans le mail qu'on va vous adresser, donc il y aura cette foire aux la foire aux questions avec les questions que vous avez posées, ce PowerPoint, des invitations à nos prochains webinaires. Et voilà, Chloé, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. On a tenu les délais. Je pense que vous allez effectivement avoir un petit questionnaire de satisfaction à l'issue de ce webinaire. C'est des formats courts qu'on essaye de privilégier parce qu'on sait que le temps est précieux dans les établissements. Donc, si vous avez quelques minutes à accorder au questionnaire, ce serait super. Et dans le support, comme vous le disiez, Anne, vous aurez toutes les annexes avec la reprise de la procédure pour rédiger une demande Prado. Très bonne journée. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.